de la ville de Montluçon, en commençant par son cœur de ville et ses berges du Cher. C'est un projet qui sera pluriannuel sur 15 à 20 ans. Un chantier d'une dizaine d'années va donner une grande notoriété avec le projet C'est Montluçon. C'est un vaste projet effectivement urbain et qui bien sûr découle à court terme puisqu'on est dedans et on verra, c'est cette salle dédiée aux rives du Cher, aux travaux. Vous avez l'accueil et un panneau qui explique la genèse en fait du projet. Parce que c'est quoi C'est Montluçon? Je ne sais pas si vous avez vu le panneau quand vous êtes entré, l'enseigne a été mise tout à l'heure. Avec C'est Montluçon, le bassin central et les quais du Cher sont apaisés, avec des espaces nouveaux qui vous donnent envie de vous arrêter, faire une pause. Donc cette maison va vous présenter l'évolution historique de la ville de Montluçon, les projets d'aménagement futurs. Elle sera interactive. Vous circulerez à pied ou en vélo le long des quais par des itinéraires sécurisés. Vous pourrez contempler la rivière du haut du pont Saint-Pierre, écouter un concert choir par Jean Payol, prendre un verre au ras de l'eau. Donc beaucoup de dossiers, 22 dossiers d'équipes d'urbanistes. Donc 3 ont été sélectionnés. De là, un dialogue compétitif s'est lancé. Et donc l'équipe retenue a été l'équipe de Juan Busquets. Juan Busquets, Michel Desvignes, donc comme paysagiste, Merlin et Atelier 4. C'est le projet Montluçon qui vous transportera à l'unisson.